Alors Vincent, pour la semaine prochaine, tu me revois à la main droite toutes tes gammes majeures, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, donc la si, sur deux octaves à 60 à la croche, mais bien le métronome 60 à la croche, tu n'es pas en rythme quand tu joues. Et enfin, tu me revois la gamme de do mineur harmonique à 60 à la noire sur une seule octave. On a commencé à travailler un nouveau morceau, donc en plus de travailler, il y en a qui, tu vas travailler la main gauche du morceau dans les gares. Et ça va te faire ça, do mineur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ré majeur, attention je change de doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fa mineur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et sol majeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc entraîne-toi bien à me travailler le déplacement entre do mineur et ré. Entre ré et fa mineur. Et entre fa mineur et sol. Puisqu'ensuite pour revenir au do, il te suffit juste de descendre d'un cran. Pour la semaine prochaine, je veux que tu me le joues comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. En boucle. Pour que dessus, on puisse poser un chant dans les gares. Moi, ce que j'aime, c'est voir partir les gens me dire que là-bas, de la plaine, ils s'en vont fuir le beau temps, mais jamais ils ne le ramènent. Sur les quais, grisonnant où les passants, autant blême, semblent chercher l'escalier roulant. Tu peux t'entraîner à jouer en même temps que moi? Ça va t'aider à rester en rythme, tu vois qu'il faut que ta basse doit être solide, pas de silence entre les accords, parce que sinon, tu casses le rythme et du coup pour le chanteur, ça sera très embarrassant. Travaille bien!